Vous savez combien on était ? 8000 ! Alors, c'est pas selon la CGT, c'est selon les organisateurs. Et donc, merci pour votre participation. Merci pour votre combat contre la ZFE à Rouen, pour montrer que les motards sont contre la ZFE. Ils ont des arguments pour ça et ils ont commencé... l'année dernière à les expliquer, et tant que la métropole ne comprendra pas qu'on veut une dérogation définitive pour les deux et trois roues motorisées, eh bien on continuera à faire des manifestations comme celle-ci. Je dois dire qu'à Rouen, c'est la première fois qu'il y a autant de motos, donc c'est génial. Messieurs et mesdames habitants de Rouen, voilà pourquoi on a mis l'enceinte, pour vous expliquer pourquoi on est là. Pourquoi on fait du bruit et qu'on est en colère depuis 40 ans ? Eh bien parce qu'il y a toujours des sujets pour être en colère. Et là, la colère, c'est la métropole. Et on a en face de nous un président de métropole qui est sourd à nos arguments, alors que la moto, c'est clair, la moto, ça densifie la circulation. S'il y avait plus de motos, il y aurait moins de bouchons, il y aurait moins de pollution. Voilà ce qu'on dit, nous. Et une moto, eh bien, ça consomme moins d'essence. Une moto, ça pèse moins lourd. Une moto, ça met moins de temps pour se déplacer d'un point A à un point B. Voilà ce qu'on essaie d'avancer comme argument. Et malheureusement, on a en face de nous des gens qui sont sourds et qui ne pensent que la mobilité, c'est uniquement que l'électrique, le vélo à assistance électrique et la trottinette. Quand on habite à 14 ou 15 km de Rouen et qu'on travaille sur Rouen, c'est clair que la trottinette, c'est un peu compliqué. Malheureusement, il n'y a uniquement que par la mobilisation et la manifestation qu'on peut arriver à obtenir des choses. L'année dernière, on a obtenu un rendez-vous avec le président de la métropole et son adjoint à la mobilité, parce qu'on avait fait deux manifestations avec à chaque fois plus de 2000 motards. Donc on continue à obtenir la dérogation définitive. Les motos, c'est 3% du trafic routier, c'est moins de 1% de la pollution globale. On n'oublie pas qu'à Rouen, on emmerde les gens qui circulent, et principalement les motards, parce que c'est clair qu'à la municipalité, il y a une véritable motophobie. On les embête alors qu'on a 60% de la pollution qui sont provoquées par les industries et par le trafic fluvial et maritime. Alors qu'on s'occupe des gens qui polluent réellement et qu'on arrête de faire chier les gens qui utilisent leur moto par passion pour se déplacer, pour aller travailler, et pour qui c'est quelque chose d'important. C'est une atteinte à la liberté, et nous, à la FFMC, on a toujours été attachés à la liberté, on défendra toujours la liberté de circuler. Merci pour votre attention, on se retrouve à l'hôtel de ville. C'est bon ? Tu veux parler ? Pas de routeur, s'il vous plaît, merci. Bon, alors, nous autres parisiens sommes venus renforcer la FFMC de Rouen. Et nous en sommes très fiers. On est quand même très impressionnés par cette forte mobilisation, parce que même à Paris, on rassemble pas autant de motards. Donc bravo à toutes et à tous. Alors, il faut savoir, chers mesdames, chers messieurs, habitants de Rouen ou même de sa banlieue, que les ZFE, c'est une gangrène qui arrive sur tout le territoire français. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'une ZFE, ou en tout cas ne savent pas ce qui se passe dans une ZFE. La ZFE, c'est tout simplement l'exclusion des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des véhicules électriques ou des véhicules neufs.
c'est l'exclusion des gens qui n'ont déjà pas les moyens de finir leur fin de mois et à qui on va demander d'acheter des véhicules neufs. Tout ça parce qu'on nous dit que c'est de la pollution. Alors, comme l'expliquait mon camarade, eh ben, ce n'est pas uniquement les usagers de roues motorisées, les automobilistes qui créent de la pollution. Et surtout, le vélo, on nous parle beaucoup de vélo, de mobilité. Oui, bien sûr, le vélo, c'est excellent. C'est excellent quand on travaille dans une grande ville, quand on habite à côté de la grande ville, quand on fait 10-15 km dans la journée, c'est parfait. Mais il y a des gens qui font 30-40 km pour venir travailler. Et ça, c'est pas possible de le faire en vélo tous les jours et par tous les temps. Donc le vélo, oui, c'est une solution, on n'a rien contre. Chacun a le droit de rouler avec ce qu'il veut. Un véhicule électrique, un vélo, un véhicule neuf. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Et je vois bien dans les villes, dans les petites villes, dans les villages, souvent, les gens ont une ou deux voitures. Ben parce que les gens ne vont pas forcément travailler au même endroit. Donc ils sont obligés d'avoir des voitures. Et ils ne peuvent pas avoir des voitures neuves. Les transports en commun ne sont pas toujours très performants, voire beaucoup moins qu'avant. Et donc on ne peut pas prendre les transports en commun toujours. Et puis vous savez, dans le temps, ceux de la génération, de ma génération par exemple, qui ont aujourd'hui 62, 63 ans, quand on était jeune, eh ben on récupérait la vieille voiture du papa ou de la maman. Ou alors on achetait une bagnole à l'époque, on était en franc, mais on va dire à 1000 euros, on peut toujours acheter une voiture qui roule un peu pour pouvoir se déplacer. Aujourd'hui, ce qu'on demande à des jeunes qui n'ont pas commencé à bosser, qui sont encore dans les études, s'ils veulent se déplacer, déjà de commencer leur vie avec un crédit pour acheter une bagnole neuve. On marche sur la tête. Et quand on nous parle de mobilité, quand on nous parle de pouvoir d'achat, des mairies qui parfois se disent socialistes ou de gauche, eh ben, font tout le contraire de ce que pourrait imposer le social. C'est-à-dire qu'au lieu d'aider les gens à avoir une meilleure mobilité, à se rendre à leur travail, eh bien, on va les foutre dehors, on va les interdire d'accès des grandes villes. Comme si la pollution s'arrêtait au périmètre de la ville. Et qu'en banlieue, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, on marche un peu sur la tête. Donc, les ZFE, ça impacte tout le monde, automobilistes et motards ou scooteristes, tout le monde. Malheureusement, ce ne sont que les motards qui bougent quand on atteint les droits, et c'est dommage que les automobilistes ne bougent pas plus que ça. Mais bon, sachez aussi que 90% des motards sont aussi des automobilistes, nous sommes aussi des cyclistes, aussi des piétons, des trottinettistes, et je ne sais quoi encore. Donc il faut vraiment se battre contre ces ZFE. Et ces ZFE que tous les élus, pratiquement, quel que soit le bord politique, ont voté, eh bien aujourd'hui, vous remarquerez dans les médias que tous, ils s'offusquent, ils découvrent tout à coup que ça va générer de la casse sociale. C'est bizarre, hein? Nous, ça fait 15 ans qu'on le dit. Parce que les ZFE, c'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Ça a commencé avec Nathalie Kosciusko-Morizet sous Nicolas Sarkozy. Ça s'appelait les ZAPA, les zones d'action prioritaire de l'air. Plus de 15 ans déjà. Donc nous, on s'était déjà mobilisés en disant attention, ça va poser un vrai problème social. Les plus démunis ne pourront plus rentrer dans les villes. Parce que c'est ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, on nous parle de ZFE. Et aujourd'hui, les élus commencent à se dire, parce qu'ils ont peur de ça. Vous avez vu, il y a toutes les manifestations pour les retraites. Il y a les manifestations pour le pouvoir d'achat. L'essence coûte excessivement cher. On a du mal à bouffer à la fin du mois. Donc les politiciens, ils commencent à avoir peur de tout ça. Ça commence à bouger. Et là, tout à coup, ils se disent, bah oui, mais les ZFE, si on empêche les gens de pouvoir rentrer dans les villes, pour manger, pour travailler, pour sortir, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là ne vont pas rester chez eux, les bras croisés, à rien faire. Ben non, évidemment, ça va générer une révolution. Imaginez-vous si vous avez une vieille voiture, vous n'avez pas les moyens d'en acheter une neuve, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, ok, j'arrête, je reste chez moi, j'ai plus le droit de bouger. C'est une assignation à résidence. Politiquement, c'est un truc de fou. Malheureusement, les gens ne s'en rendent pas compte parce que, bien évidemment, les politiciens n'ont pas beaucoup communiqué là-dessus. Mais comme maintenant, il y a des gens qui commencent quand même à s'en rendre compte, eh bien, quel qu'il soit, de gauche ou de droite, ils se renvoient la balle en disant « Ah, c'est pas moi, c'est toi ». Et c'est pas normal, attention, c'est dangereux, les ZFE, c'est pas social. Même les écolos, ils commencent à dire que les ZFE, c'est pas social, imaginez. Ceux-là même qui gueulent parce que chez le coq qui chante, ou parce que il y a un nuage au-dessus de leur tête. Donc c'est hallucinant. Donc maintenant que les politiciens commencent à se rendre compte, c'est maintenant qu'il faut porter les stockades, et c'est maintenant que les populations doivent dire stop aux ZFE, arrêtez de nous emmerder. Il y a effectivement des industries qui polluent énormément. Et quand on nous parle de l'électrique, on nous dit que l'électrique c'est vertueux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'électrique, effectivement, ça pollue pas sur place. Ça n'émet pas de gaz, ça fait pas de bruit. Oui, c'est vrai. Sauf que pour fabriquer un véhicule électrique, que ce soit une bécane ou une bagnole, c'est énormément polluant.
Et ce qui est encore plus polluant, c'est de jeter à la casse un véhicule qui fonctionne, même s'il est vieux, pour aller en reconstruire un autre et encore faire tourner l'industrie. Ça, oui, c'est polluant. Donc qu'on arrête de nous raconter des conneries et qu'on nous laisse rouler avec nos véhicules jusqu'à ce que mort du véhicule s'en suive. Le jour où il sera mort, et c'est quand même dommage de foutre en l'air un véhicule, tout ça pour acheter un neuf. C'est totalement anti-écolo. Voilà, et les écolos qui sont contre la surconsommation, eh bien, ils devraient s'en rendre compte. Parce que ça s'appelle l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que les écologistes, un des premiers combats, c'est de dire avec l'obsolescence programmée. Qu'est-ce que c'est que l'obsolescence programmée? C'est par exemple, on vous vend une machine à laver, et la machine à laver est programmée pour mourir au bout de 10 ans. Voilà, donc elle pourrait durer 15 ans, 20 ans, mais non, elle est programmée pour mourir au bout de 10 ans, parce que certaines pièces, on sait qu'elles vont céder, elles sont fragilisées exprès pour ça. Donc ça s'appelle de l'obsolescence programmée. Et on est en train de faire aujourd'hui de l'obsolescence programmée avec des voitures. C'est quand même un peu plus polluant quand on jette une voiture à la casse alors qu'elle fonctionne, qu'une machine à laver. Donc on va nous mettre à la casse des véhicules qui fonctionnent, et ça, c'est absolument pas normal. Donc les écolos commencent à réviser un petit peu leur copie, et après on verra. Alors nous autres, usagers de roues motorisées, on a un truc supplémentaire par rapport à vous, chers amis automobilistes, c'est qu'on apporte une certaine mobilité. Voilà, évidemment, vous avez bien vu que dans les grandes villes, alors moi je suis parisien, on voit les gens qui viennent de banlieue, et les pauvres ne peuvent pas faire autrement, alors, c'est comme ça, hein. On n'est pas là pour les stigmatiser, mais souvent dans les grandes villes, eh bien, les gens viennent travailler avec des voitures, ne sont une personne par voiture. Une voiture de 5 places, deux tonnes, les voitures sont de plus en plus lourdes. Donc, évidemment, ça prend de la place. Et souvent, les gens qui utilisent un deux roues motorisées sont des gens, des automobilistes qui se sont reportés de la voiture au deux roues motorisées parce que c'est un véhicule qui consomme beaucoup moins, qui coûte beaucoup moins cher en assurance, en entretien, etc. Et donc, qui est aussi beaucoup plus fluide. Donc, écologiquement, il vaut quand même mieux avoir un deux roues motorisées dans la rue qu'une bagnole. Ça prend beaucoup moins de place. Encore une fois, on n'est pas là pour stigmatiser les automobilistes qui ne peuvent pas faire autrement. Mais voilà, donc quand on nous parle d'écologie et que les gens passent aux deux roues motorisées pour abandonner les voitures, c'est plutôt pas mal. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui et pour dire que les deux roues motorisées devraient pouvoir rouler dans les zones à faible émission. Et je vous enjoins, chers amis automobilistes, à faire de même, manifester pour pouvoir rouler dans les zones à faible émission, que ces zones à faible émission soient annulées parce que c'est totalement antisocial. Merci de votre écoute, j'étais un peu long. Maintenant, je crois qu'on va aller à l'Amérique. À bientôt. 8000 motards, c'est un truc extraordinaire, on n'a jamais vu ça sur Rouen. Donc, je voudrais remercier, en tant que coordinateur de l'antenne FFMC 76, je voudrais remercier toutes les antennes FFMC qui se sont déplacées, pour certains de très loin, remercier leur mobilisation pour relayer notre publication. Je voudrais remercier tous les motoclubs, associations qui ont contribué au succès de cette manifestation et à notre combat. Je voudrais remercier les simples motards qui sont venus pour défendre uniquement leur passion et la passion de la moto. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont pénibles que la passion, ça permet d'oublier beaucoup de choses. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je voudrais faire intervenir la députée Alma Dufour, qui est députée de la 4e circonscription de Rouen, qui combat avec nous contre la ZFE. Elle va vous dire tout ce qu'elle en pense demain, je suppose. Et donc, je vais lui passer le micro. Ensuite, ce que j'aimerais bien, c'est que, en fait, on fasse parler le motard lambda. Donc, voilà, qui disent pourquoi il est contre la ZFE. On va faire parler Nathalie aussi, qui doit être dans le coin, pour qui s'est beaucoup penché, qui a beaucoup travaillé sur la ZFE de Rouen. Donc voilà, je voudrais passer la parole à d'autres personnes de façon à ce que la ZFE et la lutte contre la ZFE, on se rende compte que c'est pas uniquement le problème des motards, mais c'est le problème de citoyens, tout simplement. Voilà, Alma. C'est incroyable. Elle a fait tout le parcours à moto. Hein. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Et merci. Merci beaucoup d'être aussi nombreux et merci de vous être mobilisés. Je dois vous dire, moi, en tant que députée donc, des villes périphériques de Rouen, justement,
concernés au premier chef par la ZFE, parce que des villes souvent populaires, des villes où les gens n'ont pas les moyens de changer de véhicule, surtout en ce moment avec la crise inflationniste, qui est la crise du pouvoir d'achat la plus grave depuis les années 80, haut la main. Donc en tant que député élu par ses habitants, ça faisait longtemps qu'on attendait une grosse mobilisation pour dire non au passage en force sur la ZFE, sur la métropole de Rouen. Et donc merci à vous d'être venus si nombreux, ça nous fait chaud au cœur parce qu'il n'y a rien de pire que la résignation qui s'installe dans les têtes et dans les cœurs des gens en ce moment. Et on voit, que ce soit aujourd'hui, que ce soit toutes les manifestations contre la réforme des retraites, le peuple français se réveille, le peuple français n'a pas peur, et le peuple français a le droit de décider de son destin. Alors voilà. Voilà, moi j'ai un passé, et je le suis toujours d'ailleurs, d'activiste pour le climat. Moi ça fait plus de 10 ans que je lutte contre le changement climatique, et beaucoup de gens sont venus un peu me chercher là-dessus en me disant « C'est quoi ces convictions à géométrie variable? C'est quoi ces retournements de veste? Maintenant que t'es élu sur une zone industrielle, tu te bats plus pour l'écologie? Comment ça se fait que t'es contre les ZFE ?» Bon, ces gens-là, souvent, sont des gens, je vais le dire très concrètement, sont des gens qui vivent en centre-ville, sont des gens qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un véhicule, sont des gens qui ont soit peuvent se déplacer à pied, soit ont des transports en commun qui fonctionnent. Ce sont pas les gens qui vivent sur l'agglomération d'Elbeuf, par exemple, où les transports en commun sont absolument une catastrophe, où, alors que ça fait 50 ans qu'on demande à ce qu'il y ait un train qui relie Rouen et la ville d'Elbeuf en passant par la zone industrielle, ça fait 50 ans qu'on attend et il n'y a aucun investissement qui est annoncé alors qu'il passe en force sur la ZFE. Voilà le quotidien des gens qui vivent dans la périphérie de Rouen, et je vous le parle même pas des habitants du département de l'Eure qui n'ont absolument aucun transport en commun et qui sont livrés à eux-mêmes et qui vont devoir prendre leur voiture pour aller dans les services publics qui se concentrent sur Rouen, la Poste, les hôpitaux évidemment, qui n'ont plus de médecins. Et comment ils vont faire, eux? Effectivement, cette zone des feux, c'est une zone à forte exclusion. On croit rêver quand on pense qu'aujourd'hui, Damien Adam, le député Renaissance, qui va pas durer longtemps, de la ville de Rouen, se rend compte de l'exclusion que c'est cette mesure, et dit localement qu'il est contre la ZFE alors que c'est lui qui a voté pour il y a 3 ans. C'est lui qui a voté pour à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on se souvienne de ça. Et le en même temps, voilà, le en même temps. Et le pire dans tout ça, donc la métropole de Rouen est fautive puisqu'elle décide d'accélérer le calendrier de mise en œuvre de la ZFE en pleine crise de l'inflation, ça je l'ai déjà dit. Mais l'État est fautif aussi, le gouvernement, parce qu'il sait très bien que les gens n'ont pas les moyens et il n'a pas augmenté les aides pour acheter des véhicules neufs. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour toucher le maximum des aides sur la ZFE, vous êtes censé être au RSA toute l'année. C'est dire, sachant que les gens au RSA, en général, ils n'ont pas de voiture, en fait, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, ils n'ont pas les moyens. Mais tous les gens qui sont au SMIC, ils ont droit à quasiment rien. Et c'est ça la réalité. Ils n'ont pas augmenté les aides, ils n'ont pas annoncé d'investissement dans les transports en commun. Donc cette ZFE est une violence sociale inacceptable. Et sur l'écologie, puisque j'y viens, je vais dire un mot sur ce que c'est vraiment l'écologie. La ZFE, déjà, pour calmer tout le monde, et ça a été déjà dit tout à l'heure, ne concerne pas le changement climatique. C'est bon à le rappeler parce qu'on fait tout au nom de l'écologie aujourd'hui et surtout les pires saloperies. La ZFE concerne la pollution atmosphérique aux particules fines. C'est un vrai enjeu, la pollution de l'air est un vrai enjeu de santé publique. Sauf que bon, vous connaissez un peu la métropole de Rouen, vous savez qu'on a une très grosse zone industrielle, vous savez que les usines ici ont une fâcheuse tendance à exploser et que les préfets ont une fâcheuse tendance à dire que c'est pas dangereux pour la santé des gens. Il y a un mois, chez moi, à Grand-Couronne, un entrepôt de Bolloré Logistique a brûlé toute la nuit 12 000 batteries, 68 000 pneus et aucune consigne n'a été donnée. Le préfet disait il n'y a rien de dangereux. Limite, allez vous balader dans la fumée, c'est bon pour le temps. Voilà. Voilà comment ils traitent les enjeux de santé quand il s'agit des classes populaires, quand il s'agit des grands industriels qu'il faut protéger. Nous n'avons pas aujourd'hui, toujours pas, de registre départemental des cancers. Ce qui veut dire que quand des cancers sont causés par des industries, par des raffineries, par des industries chimiques, on ne peut pas le savoir. Il n'y a pas de preuve, parce que personne ne cherche, ce que personne ne veut trouver. Donc à un moment donné, cette écologie-là,
c'est pas une écologie punitive, c'est une écologie de classe. Et nous, on est contre ça. Quand le gouvernement qui est incapable de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France, qui a été condamné deux fois pour inaction climatique, qui laisse Total Energy, BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole, quatre multinationales françaises, émettent quatre fois plus que l'ensemble des citoyens français chaque année. Ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. Donc voilà, merci d'être là. Ça ne passera pas. Et je peux aussi dire un dernier mot, parce que ça n'a échappé à personne qu'il y a une grande période de contestation sociale contre la réforme des retraites. Déjà, je voudrais dire un mot de solidarité à l'AESH qui a été, dont le pouce a été arraché en manifestation ce jeudi par la violence des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre disent qu'elle a tenté de ramasser la grenade et de la rejeter sur eux. C'est complètement faux. Nous avons des témoins qui disent qu'elle essayait de quitter les lieux de tension et qu'on lui a jeté une grenade en pleine face et qu'elle l'a récupérée, qu'elle l'a explosée dans la main. Cette femme est mère de deux enfants. Il y a eu 7 blessés. Ça suffit. Ça suffit. Et je veux dire une dernière mot, évidemment. La retraite à 64 ans, c'est non. C'est non. C'est non. Super, Alma. Moi, j'admire ton engagement et ta combativité. Ça, c'est des choses qui nous parlent à nous, les motards. Je vais passer la parole à un motard, motard comme tout, vous êtes tous. Par contre, qui a un gros défaut. Il a deux motos Youngtimer et il n'a plus le droit de rouler dans la ZFE. Eh oui. Bonjour. Je suis un motard comme beaucoup de vous aussi. Et le truc, c'est que je roule avec deux vieilles motos. Donc, je suis un peu embêté, c'est qu'en fait, vu que j'habite rive gauche, par les moyens, je peux pas sortir chez moi, en fait, normalement. Donc, c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, pourtant, je suis plutôt sensibilisé à l'écologie. Je vais tous les jours bosser en vélo. Donc, c'est pas forcément un problème d'écologie. Et aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment un problème là-dessus. C'est que. Aujourd'hui, en fin de compte, on peut pas supprimer l'accès au centre ville et une classe sociale, en fait, j'ai envie de dire. Ça devient vraiment social, comme le disait Alma tout à l'heure. C'est vrai, c'est vraiment, c'est là, vraiment un problème social, en fait. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pas avec ma moto que, avec une de mes motos que je vais polluer plus que le mec qui a son SUV Super 1 qui va au centre ville, qui n'a rien à foutre. Ça va pas le problème, en fait. C'est pas justifiable, à mon sens. Bravo! Merci beaucoup. Et voilà le quotidien d'un motard dans la famille. L'idée aussi, c'est pas d'écouter que des motards, c'est d'écouter des gens qui vivent, des métropolitains, des gens qui ont des convictions, des gens qui se battent, parce que ça fait partie de notre ADN de se battre. On se bat depuis 43 ans. Donc, pas de problème de ce côté-là. Et on sait très bien, nous, moi je m'en suis rendu compte très vite quand j'ai commencé à travailler sur le sujet de la ZFE, qu'en fait ça dépassait complètement le cadre du motard, mais que c'était quelque chose de beaucoup plus large et que effectivement on a essayé depuis 3 ans d'avoir des gens qui viennent avec nous, qui soutiennent notre combat contre la ZFE. C'est pas toujours facile, c'est clair, mais il est évident que il y a des maires qui ont pris des positions, il y a des élus qui se sont prononcés aussi. Et il faut que la démocratie fonctionne, que les gens s'expriment et qu'ils refusent des choses qui ne conviennent pas. Alors, moi je suis automobiliste et mon fils est motard et automobiliste. J'ai rencontré Jean-Philippe il y a quelques mois lors de la réunion publique à Saint-Étienne-du-Rouvray au sujet de la ZFE. Et puis, il est venu me parler à la fin. Je pense qu'il a apprécié l'intervention que j'avais faite à ce moment-là. Cette zone à forte exclusion, très justement nommée, n'est qu'une étape parmi tant d'autres qui vise à nous asservir, nous appauvrir et nous priver de liberté. Il y en aura d'autres, c'est évident. Je vais vous raconter mon histoire. Donc moi, je suis maman solo, plus pauvre que pauvre. Puisque Alma Dufour en parlait, elle parlait des gens au RSA, il y a les gens à l'ASS, c'est encore pire. N'est-ce pas, Fatih? Donc, j'avais une Peugeot 307 diesel de 2004, bien entretenue, qui avait passé le contrôle technique du premier coup et qui tournait comme une horloge.
De surcroît, cette Peugeot 307 avait une valeur sentimentale énorme pour moi, parce que c'est ma marraine qui me l'avait offerte alors que je traversais une zone de forte turbulence dans ma vie privée. Oui. Donc, pour ne pas être emmerdée, je reprends le terme de notre président, j'ai fait l'effort financier d'acheter un véhicule d'occasion. J'ai dû mettre ma voiture qui avait passé le contrôle technique et tout, qui tournait bien au rebut. Et depuis, je n'ai que des emmerdes avec la voiture que j'ai achetée. C'est bête. Donc, première stupidité. Ensuite, le simple fait de promouvoir les véhicules électriques dont les batteries ont été construites avec des terres et des métaux rares et que l'on ne sait pas encore correctement recycler, invalide l'argument écologique. Nous sommes désormais encore plus dépendants de la Chine, qui produit 95% des terres et des métaux rares et dont l'extraction est également coûteuse en énergie et en vie. Nos gouvernements occidentaux, par leurs décisions iniques, aggravent le dumping social et provoquent des maladies dues à la pollution parmi les populations concernées, comme le cancer. Bon, je vais vous passer l'aïeux sur les voitures électriques, parce que de toute façon, on sait leurs limites. On promeut les transports en commun, mais en 2022, Amiens a dû acheter des bus thermiques pour pallier les pannes répétées de leurs bus électriques. Oh, dommage. Et puis, comme le disait Alma Dufour, effectivement, tout le monde n'est pas en ville, tout le monde n'est pas privilégié. Il y a aussi des gens qui vivent en périphérie, qui vivent à la campagne et qui ont besoin d'un véhicule et qui n'ont pas les moyens d'en acheter un. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation qui semble assez inextricable comme toutes les autres, puisqu'on veut nous faire passer des mesures stupides, inadaptées et antisociales. Donc, et comme tous les projets depuis des décennies, tous les tenants et les aboutissants n'ont pas été anticipés et étudiés sur le moyen et long terme. Et c'est à nous que les gouvernants s'en prennent. Ce n'est que le début d'une longue série de mesures liberticides et antisociales destinées à nous contrôler de toutes les façons. Si le gouvernement vous propose quelque chose, ce n'est probablement pas dans votre intérêt. S'il vous l'impose, soyez sûr que ce n'est pas pour votre bien. Je conclurai en m'inspirant d'un illustre résistant proche de Jean Moulin, Stéphane Hessel, que vous connaissez peut-être, qui a écrit en son temps un fascicule intitulé « Indignez-vous ». Informez-vous, faites appel à votre bon sens, réfléchissez par vous-même et indignez-vous, soulevez-vous et résistez. Exactement ce qu'on est en train de faire en fait. Je vais passer la parole à Jean-Michel, qui est le coordinateur, le nouveau coordinateur, félicitations Jean-Michel, de la FFMC 27, qui a une petite annonce à vous faire concernant le contrôle technique auto. Merci Jean-Michel. Je remercie déjà tous les motards qui sont venus, et particulièrement ceux du 27, petit département... contigu au 76, à nos amis du 76, concernés par la ZFE, parce que les gens du 27 viennent de travailler ici. Je suis à la retraite maintenant, mais j'ai terminé ma carrière en venant bosser sur Rouen. Mais aujourd'hui, là, je ne vais pas rester sur le sujet ZFE, je suis venu pour vous parler du contrôle technique. On est toujours dans le combat contre le contrôle technique. Vous savez, la FFMC est dessus depuis 12 ans. Vous connaissez l'imbécilité de ce truc qui a été porté par Dekra en Commission européenne, donc évidemment pour un enjeu financier, et qui avait été mis de côté par notre président l'année dernière, en 2021, le 9 août, je m'en souviens parce que c'est le jour de mon anniversaire. Et quelques temps après, trois associations qui se disent écologistes, enfin je dis bien qui se disent, entre guillemets, si vous ne le savez pas, certaines sont financées en sous-main par des loueurs de trottinettes ou des vendeurs de vélos. Voilà. Il y a une des assos qui s'appellera le Scout, l'autre qui s'appelle Paris sans voiture et l'autre qui s'appelle Respire. Donc tous ces gens-là ont très peu d'adhérents, contrairement à la FFMC. Mais ils tirent des finances de...
ils sont sponsorisés par Hidalgo ou indirectement par des entreprises qui travaillent pour Hidalgo, effectivement, c'est tout à fait ça. Alors moi, je suis là pour vous annoncer une manifestation qui va se dérouler sur la ville d'Évreux. C'est, je ne vais pas dire une primeur, mais il y a presque 15 ans qu'il n'y a pas eu de manif sur Évreux. Enfin, de manif de la FFMC 27. Là, je sais que ça bouge beaucoup pour les retraites, même dans les métropoles, enfin, dans les villes moyennes comme Évreux. Même, je suis à côté de chez moi, à Pont-Audemer, Bernay, Lisieux, etc. Alors, nous, on va faire une manif sur Évreux. Le rendez-vous est à 13h30 à la station Leclerc de KR Normandville. Hein, c'est à 2 km du centre d'Évreux. Hein. Rendez-vous 13h30, station Leclerc de KR. Donc la FFMC 27 sera là avec les copains de la 76. J'invite tous les clubs moto du coin à faire de la promo pour nous. Quand? Ah oui, pardon, le 22 avril, si je ne l'ai pas dit. Dans un mois, hein. Dans 4 semaines exactement, je pense. Donc le samedi 22 avril, 13h30, parking de KR Leclerc. Voilà. Bonne fin de manif. Merci Jean-Michel. Bah oui. C'est pas évident, on n'a pas l'habitude de prendre le micro, on est dans des professionnels de la com, donc des fois il y a un petit peu des trous, c'est pas toujours facile de parler. Bonjour, moi je m'appelle Carole et je tenais à sensibiliser rapidement la vite fait parce que ça soit dit. Les parents qui sont parents d'adolescents, d'adolescentes, qui vont bientôt passer leur permis. Mais dites-leur que c'est peut-être pas la peine, parce que si on continue comme ça, je vois pas ce qu'ils auront comme voiture, puisque de toute façon, leurs parents n'auront même pas les moyens de s'en racheter une nouvelle, pour même pas qu'ils comptent sur leurs parents pour leur filer leur vieille voiture comme nous, on a eu la chance d'avoir, ou leurs grands-parents, c'est mort ça. Donc, si vous voulez, les adolos et les parents d'ados, que ça se produise pas, faut vous bouger les fesses et rapidement, dans vos collèges, dans vos lycées, dans vos universités, et aux parents de ne pas accepter ce qui va se passer, parce que bientôt, il n'y aura plus que les gosses de riches qui auront le droit de se trimballer avec des motos électriques et avec des voitures de électriques, dont on ne saura même pas quoi faire des batteries. On les enverra, parce qu'on fait le propre chez nous. Chez nous, c'est tout propre. On les enverra dans les pays du tiers-monde pour leur dégueulasser leurs patelins. Mais nous, ça sera propre chez nous. Alors moi, je propose à Monsieur Meyer Rossignol, puisqu'il trouve que les batteries sont si intéressantes, de lui commencer à lui enterrer les nôtres dans son jardin. Voilà. Vite fait, le dimanche 2 avril pour les motards, il y a les 59e plus moto à Val d'Oreuil. Donc c'est l'une des plus grosses manifestations, la plus grosse manifestation de moto ancienne et de plus sur la France. Donc le dimanche prochain, le club des Vikings vous attend nombreux. En espérant qu'il fasse aussi beau que d'habitude et pas comme tout à l'heure. Et moi je dis, pour tous les motards qui sont contre la réforme des retraites viennent accompagner, escorter le cortège. Ok, le message est passé. Donc, les motards parisiens éloquents comme d'habitude, parce que en fait, Paris a travaillé pour nous, ils ont subi la ZFE avant nous. Nous, aujourd'hui, on travaille pour les autres villes qui vont passer sous les fourches caudines de la ZFE en 2025 et en 2028. Et dans les villes normandes, eh bien, il y a le Havre. On sait très bien que notre cher Édouard Philippe est en train de s'en occuper. Il y a Caen. Le combat, il n'est pas simplement qu'à Rouen. Il est aussi pour les villes qui vont subir la ZFE dans 2 ans. Et le combat, il est aussi national, parce que la FFMC, c'est une fédération. Et on a plaisir, depuis le début, à travailler ensemble et à se battre pour tous les motards. Voilà, je vous remercie. Ah, merci.
Bon, puisqu'on est dans les agendas, je vous rappelle que demain, s'il y en a qui veulent faire un petit tour sur Paris, vous serez les bienvenus. On fait une manifestation contre le contrôle technique. Donc demain, rendez-vous 14h avenue Foch, au niveau de la porte Dauphine, et ensuite le cortège partira à 15h. Et puis, je vous rappelle aussi que nous luttons à Paris contre le stationnement payant pour les deux roues motorisées, puisque vous savez que Madame Hidalgo, maire de gauche, soi-disant, a imposé le stationnement de roues motorisées, qui est excessivement cher en plus. Hein, c'est-à-dire que non seulement elle impose un stationnement à des véhicules qui apportent une vraie mobilité, une plus-value en termes de fluidification de trafic, mais en plus, ce stationnement est exorbitant, ce prix de stationnement est exorbitant. Voilà, c'est pratiquement 35 euros par jour, imaginez, 35 euros par jour, ça fait presque au bout du compte 2 mois et demi de salaire. C'est-à-dire vous travaillez 2 mois et demi pour payer un stationnement, c'est un truc de fou. Voilà, et ça fait donc 6 mois qu'on fait une manifestation tous les lundis devant la mairie de Paris. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'être venus à Rouen, vous êtes ici chez vous, c'est moi qui suis venu en fin de compte. Et si vous voulez venir à Paris, bah, vous êtes les bienvenus toutes et tous. À bientôt, à demain. Allez.
C'est bien ce que vous faites, vous continuez. Vous savez combien on était ? 8000 ! Pour tenir la dérogation définitive, les motos, c'est 3% du trafic routier, c'est moins de 1% de la pollution globale. Qu'on n'oublie pas qu'à Rouen, on emmerde les gens qui circulent, et principalement les motards, parce que c'est clair qu'à la municipalité, il y a une véritable motophobie. On les embête alors qu'on a 60% de la pollution qui sont provoquées par les industries et par le trafic fluvial et maritime. Alors qu'on s'occupe des gens qui polluent réellement et qu'on arrête de faire chier les gens qui utilisent leur moto par passion pour se déplacer, pour aller travailler et pour qui c'est quelque chose d'important. C'est une atteinte à la liberté et nous, à la FFMC, on a toujours été attachés à la liberté, on défendra toujours la liberté de circuler. Merci pour votre attention, on se retrouve à l'hôtel de ville. Ah, c'est bon ? Tu veux parler ? Ah, il va faire beau. Pas de routeur, s'il vous plaît, merci. Bon alors, nous autres Parisiens sommes venus renforcer la FFMC de Rouen. Et nous en sommes très fiers. On est quand même très impressionnés par cette forte mobilisation, parce que même à Paris, on ne rassemble pas autant de motards. Donc bravo à toutes et à tous. Alors, il faut savoir, chères mesdames, chers messieurs, habitants de Rouen ou même de sa banlieue, que les ZFE, c'est une gangrène qui arrive sur tout le territoire français. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'une ZFE, ou en tout cas ne savent pas ce qui se passe dans une ZFE. La ZFE, c'est tout simplement l'exclusion des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des véhicules électriques ou des véhicules neufs. C'est l'exclusion des gens qui n'ont déjà pas les moyens de finir leur fin de mois et à qui on va demander d'acheter des véhicules neufs. Merci de votre écoute, j'ai été un peu long. Maintenant, on se retrouve à l'Amérique. A bientôt. Hein ? On repart ? Alors on repart, les bâtards. Et les bâtards.
c'est un truc extraordinaire, on n'a jamais vu ça sur Rouen. Donc je voudrais remercier, en tant que coordinateur de l'antenne FFMC 76, je voudrais remercier toutes les antennes FFMC qui se sont déplacées, pour certains de très loin, remercier leur mobilisation pour relayer notre publication. Je voudrais remercier tous les motoclubs, associations qui ont contribué au succès de cette manifestation et à notre combat. Je voudrais remercier les simples motards qui sont venus pour défendre uniquement leur passion et la passion de la moto. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont pénibles que la passion, ça permet d'oublier beaucoup de choses.